Tu fais quoi? J'utilise le pouvoir du café et de la tequila pour faire apparaître George Clooney sur le seuil de cette porte. Je crois qu'il a d'autres plans pour ce soir. Maisie, c'était quoi ce bruit? Ce sont les habitants du coin qui nous attaquent. Ça suffit. Je me sens pas bien. Lizzie! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Lizzie? Ça devait être un week-end sympa, un week-end entre filles. Juste nous trois, au milieu de nulle part. C'est Lizzie qui nous avait invités. C'est très généreux de sa part. Elle était comme ça. Vous êtes arrivée quand? Hier. Et vous dites que vous avez entendu des coups de feu hier soir? Oui, ça venait des champs en face, je crois. Là. Vous savez ce que c'était? Non. Non. Lizzie avait un petit copain. Vous étiez proche. C'était ma meilleure amie. Je pourrais avoir un verre d'eau? Oui, bien sûr. Pardon de vous demander ça, mais... comment elle a pu s'offrir cette location? C'est une jeune kinésithérapeute. En fait, ce week-end, c'était un cadeau de la part d'une de ses patientes. Elle avait soigné son mal de dos. Elle a eu un choc au cervical. C'est très gentil. Est-ce que c'était courant? Pour Lizzie, oui. C'était le genre de personne avec qui on se lie facilement. Vous connaissez le nom de cette patiente? Ah, Corinne... je sais plus. Corinne. On pourra trouver son nom au travail. Oui, merci, ma jolie. Je peux les faire accompagner chez elle. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Lily? Oh, une balle de fusil de chasse en pleine poitrine. On pourra pas exposer ton corps, ma belle. Heure du décès? Entre 1h30, 2h, je serai plus précis après un examen à la maison. C'est quoi, ça? Oh, c'est un joli petit nid d'amour ici. Je voulais me renseigner, ça peut être utile. Hé,
Bon, alors, il y a d'autres gens aux alentours? Ça donne quoi, l'enquête de voisinage? Il y a une jeune famille dans la maison, là-bas. Ils ont peut-être entendu les coups de feu. Le fils a cru que c'était des feux d'artifice et le père un pot d'échappement. Ils ont une idée de l'heure? Ils ont entendu le dernier tir à 1h38. Le père a regardé son réveil. Donc nous avons notre heure de décès. Ils ont vu quelque chose? Non, rien du tout. Écoutez ça. Chaque cottage est conçu pour garantir... la tranquillité et l'intimité de nos résidents. Ils devraient peut-être voir ça. Avant, c'était des marécages ici. Des marécages, et avec ça. Vous pouvez pas passer. Monsieur, non. S'il vous plaît. Monsieur. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Je suis le propriétaire de cette résidence. S'il y a un problème... Inspectrice chef Stanhope, pourriez-vous passer le cordon de sécurité, monsieur? Je suis très bien là où je suis. Tu veux m'attendre une minute, chérie? Tu peux retourner dans la voiture. Quelqu'un a été blessé? Oui, une jeune femme. Dans cette maison? Et vous êtes... Tim Hopkins. Elle va bien? Elle est morte. On lui a tiré dessus. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faut qu'on prenne des dispositions, prévenir ses proches. C'est bon, on s'en occupe. Ses amis sont avec elle. Ses amis? Et son mari? Elle n'était pas mariée. Ah, d'accord. Je suis vraiment désolé. Je viens d'arriver. Ma femme est venue me chercher à la gare à l'instant. On nous a dit qu'il y avait eu des coups de feu tirés dans ces champs la nuit dernière. Ah bon? Ce sont sûrement des voyous du coin, un samedi soir. Enfin, je peux pas croire qu'ils aient fait une chose pareille. Vous avez une carte? Oui. Nous aurons peut-être besoin de vous parler plus tard. Bien sûr. Merci. Joe. S'il vous plaît, monsieur, par ici. Encore ces maudits noctambules. Désolé, mais c'est quoi ou c'est qui ces noctambules? Kenny, tu veux bien expliquer gentiment à notre citadin? Ce sont des gens qui chassent la nuit au clair de lune. Ils sont équipés de torches, de phares portatifs et ils tirent sur les animaux nocturnes, les nuisibles. Mais pourquoi les blaireaux? Ils font rien de mal. Ils portent la tuberculose et contaminent le bétail. Soi-disant. Bon, alors maintenant, il faut fouiller de fond en comble ce champ et voir si le fusil de chasse de ces noctambules correspond à l'arme qui a tué notre victime. Va interroger les villageois. Il y a forcément quelqu'un dans le coin qui organise ces soirées de folie meurtrière. Fais un tour dans les fermes, les magasins, les pubs des environs. Kenny, tu paies tes consommations. Monsieur ? Robert Doran? C'est pourquoi? L'inspectrice chef Stanhope. Je suis l'agent Lockhart. Écoutez, je dois être à Kesside dans une demi-heure. Chemise propre, bien repassée. Un rendez-vous galant? Une rencontre sur le net. Bien, elle attendra, monsieur Doran. Commission rogatoire pour une perquisition. Excusez-moi, monsieur. Kenny. Robert Doran, vous avez le droit de garder le silence, mais votre défense pourrait souffrir du fait que vous n'ayez pas mentionné... Alors, vous ouvrez les portes? Robert Doran. Il a un casier. Il a été arrêté pour... coups et blessures volontaires graves il y a 8 ans. Si tu le dis...
Ça vous dérange si je viens pas avec vous? Comme tu voudras. Alors, la nuit dernière, ou plutôt aux premières heures ce matin, vous étiez... Nous avons la preuve que vous étiez dans un champ près de la nouvelle résidence. La preuve? Ah, une réaction, c'est ce que j'espérais. Des mégots de cigarettes ont été trouvés dans ce champ. Et grâce à votre précédente condamnation... Vous avez mon ADN. Tout à fait. Du tabac à rouler, pas du premier choix. Vous avez toute ma sympathie. Vous devez pas être dans une très bonne passe pour fumer ça. J'aurais pu être là-bas à un autre moment. J'étais dans ce champ il y a 2 semaines. On a saisi un fusil de chasse enregistré au nom de votre copain Jackson Fisher. Il était couvert de vos empreintes. Y a pas moyen d'avoir un café? Ce fusil avec lequel vous avez abattu un pauvre petit animal sans défense. Oh. On l'a trouvé, ainsi que les traces de pneus de votre voiture partout dans le champ. Un vrai rodéo, tout élaboré. D'accord. Ah, merci. Ça vous arrive souvent, ces petites balades nocturnes? Peut-être que ça vous plaît pas, mais personne se plaint. Il me remercie. Oh, et ceux qui veulent passer un week-end tranquille à Meadow Ponds pour respirer le grand air? C'est bon, je dérange personne. Vous étiez avec quelqu'un cette nuit? J'étais tout seul. C'est bien dommage. Parce que cette jeune femme a aussi été tuée avec un fusil de chasse, à 500 mètres environ de ce pauvre blaireau. Vous la connaissez? Comment je la connaîtrais? Désolé, mais mon client est accusé de quoi? Usage d'armes à feu ou... Ça, maître, ça dépend de lui. Bon, alors, il y avait d'autres personnes avec vous cette nuit? Oui. D'accord. Leur nom. Vous avez vu ou entendu quelque chose quand vous étiez dans ce champ? Une voiture, peut-être? Une voiture. Couleur et marque du véhicule? Non, désolé, je sais pas. Ah, bizarre pour un mécanicien. Si vous avez vu une voiture... Non, je l'ai pas vue. J'ai peut-être entendu une voiture. Peut-être? Ouais. Elle était dans le chemin. Alors quoi? Ça pourrait être n'importe quelle résidence et nouvelle maison. Y a pas de traces de pneus qu'on pourrait exploiter? Il y en a trop. Ce chemin est un raccourci pour rejoindre la côte. Vous comprenez mon problème? Une voiture, ça pourrait être n'importe qui. Bon, et la balistique? Est-ce que Lizzie a été tuée avec le même fusil? Ce ne sont pas les mêmes cartouches. Mais il est possible qu'elles aient été tirées avec la même arme. Udoran a un deuxième fusil planqué quelque part. On aura le rapport à l'heure du déjeuner, d'accord? Ah! L'agent d'intervention Edwards. Non, maintenant, je suis à la crime. Ah, bienvenue parmi nous. Alors, ils nous disent quoi, les deux compagnons d'armes de Robert Doran? Oui, les deux frères. Allez, mon petit, Jim et Jackson Fisher. Oui, ils confirment la version de Doran. Ils sont sortis chasser avec lui dans la nuit de samedi. Bien. Mais ils ont laissé Doran dans le champ avec le fusil, ce qui est contraire au règlement du permis de chasse, je leur ai dit. Ensuite, Doran leur a rendu le fusil quelques heures après, la même nuit. À quelle heure? Pardon? À quelle heure ils l'ont laissé dans le champ avec le fusil? Ah, d'accord. Oui, attendez. À 1h30 dimanche matin. Donc, 10 minutes avant l'heure du décès. Comme par hasard, c'est pratique pour les deux frères. Non, ils ont un alibi. Ils se sont arrêtés pour prendre de l'essence à 1h41. D'accord, bon travail, Jean Edwards. Ah, merci beaucoup. Donc, nous avons Robert Doran seul dans le champ avec un fusil à la main. C'est lui. Il a le profil. Il a fait de la prison. Mais pourquoi? Tu peux me dire pour quelle raison il aurait tiré sur une femme qu'il n'avait jamais rencontrée?
Alors, Robert Doran. Hey, commencez pas. Oh, c'était histoire de parler. J'ai assisté à combien d'interrogatoires avec vous? Je sais comment ça marche. Ah, vas-y, je suis toute, oui. Ne jamais lâcher trop d'infos. Ne jamais lever le ton, ça empêche d'écouter. Et surtout, ne jamais poser une question dont on ne connaît pas déjà la réponse. On ne connaît pas déjà la réponse, d'accord. Eh ben, allez-y. Vous savez quoi sur Doran et moi? Joe Ashworth, encore jeune agent de police. Ça s'est passé quand? Il y a 8 ans. À l'heure de la fermeture, 2 types devant un pub dans South Shields. Une bagarre, d'un côté une fracture du crâne, et de l'autre Robert Doran avec à peine une égratignure. Tu parles aux propriétaires, aux femmes et aux petites copines. À la fin de la journée, tu n'as que leur témoignage. Alors tu fais avec ce que tu as. Il a été condamné à 18 mois de prison. Ce sont les jurés qui condamnent, pas un agent de police. Ouais, je sais. Mais il m'a envoyé une lettre. Tu n'as aucun reproche à te faire. Je suis catholique, c'est mon éducation, c'est comme ça. Tu l'as encore, cette fameuse lettre? Ouais. Je peux la voir? Non. Il a fracassé le crâne de ce type. Ça sert à rien de t'en vouloir, non? On va où? Chez Corinne Franks. On verra si elle peut nous en dire plus sur Lizzie. Andrew Franks? C'est terrible ce qui est arrivé. Ça l'a beaucoup secoué. Corinne? Elle va arriver. Je n'ai jamais rencontré cette fille, mais Corinne l'estimait beaucoup. C'est Lizzie qui a soigné votre femme pour son mal de dos, c'est bien ça? Oui, c'était spectaculaire. C'est fou. Cette pauvre fille qui est morte, on se sent un peu responsable. Pourquoi? Parce que votre femme a offert à Lizzie ce week-end dans cet endroit? Non. Enfin, aussi, mais surtout, c'est nous qui avons conçu cette résidence de vacances. Vous étiez les architectes de... Meadow Ponds. Oui. C'est pour ça qu'on se sent responsable. D'accord. Bravo. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. C'est à moi. Corinne, voici... Inspectrice chef Stanhope. Sergent Ashworth. C'est une cathédrale. Enfin, ça devait l'être. Oui, on était encore étudiants. Des châteaux en Espagne. On avait le droit de rêver à cette époque. Je sais pas pourquoi je m'accroche à ça. C'est pour ne pas oublier. Pourquoi on est devenu architecte. Ouais, c'est vrai. Vous connaissiez bien Lizzie? Pas très bien. Mais je l'aimais beaucoup. Elle ne vous a jamais parlé de problèmes avec un homme, ou simplement fait allusion à... cet homme? Non, mais de toute façon, elle aurait rien dit, c'était pas le genre à se plaindre ou à critiquer quelqu'un. Je comprends pas. Je vois pas qui aurait voulu lui faire du mal. Pas à elle. Pas à Lizzie, pas volontairement. Ça a été rapide. Je veux parler de... Je vois de quoi vous parlez. Lizzie est morte sur le coup. C'est toujours ce que vous dites. Non, ma jolie. Je vous donne ma parole. Kenny. Madame, on le tient. On a un lien entre Robert Doran et la victime. J'aimerais qu'on discute encore une fois, si vous voulez bien. Robert? Pas lui.
Oh, attends-moi dans la voiture, ce sera pas long. C'est quoi votre pseudo pour les sites de rencontres sur Internet? Bobby, le noctambule, cherche jolie biche et manque embadé la nuit. Et qu'un peu de vaisselle ne rebute pas. Touchez pas à ça, s'il vous plaît. Lizzie et vous étiez dans la même école. Big Moor Camp. Elle avait un an de moins que vous. Peut-être bien, mais je la connaissais pas. Ah. Vous avez fini, parce qu'il faut que j'aille bosser. Vous savez, j'ai passé la moitié de la nuit à me torturer le cerveau. Cette drôle d'odeur dans cette maison. Une odeur persistante. On la sent une fois et jamais on l'oublie. Oui, c'est quoi? Trichloréthylène, mon petit. On s'en sert pour dissoudre la chair des petits mammifères. Vous cherchez quoi? J'ai grandi au milieu de cette odeur. À cause de mon père. Il avait un intérêt particulier pour les oiseaux de proie. Oh, ça vous rentre dans tous les pores de la peau. J'en ai payé le prix fort dans ma vie amoureuse. Parce que même si les autres ne sentent pas cette odeur, moi je la sentais. Vous avez beau laver, frotter vos mains, rien n'y fait. Cette maudite odeur est toujours là. Si vos filles sur Internet sentent ça, eh ben dis-le donc. Bon. Vous êtes plutôt quoi, petits oiseaux? Souris? Vous avez qu'à regarder. Je les vends aux écoles d'art quand je peux. Ils s'en servent pour leur nature morte. Lizzie. Ça fait des années que je l'ai pas vue. C'était Bess, à l'époque. Elle était moins jolie que sur cette photo. Acné, appareil dentaire, grosses lunettes. J'étais un petit voyou. J'étais le pire de la bande. Mais j'aurais pas touché à Lizzie. Elle avait une façon de faire, je sais pas. Il y avait toujours plein de gens autour d'elle. Tout le monde lui parlait. Si au moins je savais ce qu'on cherche. Oh, pas d'ennemis. Jamais une parole méchante. On n'a pas rencontré de fille plus sympa. C'est ce qu'on dit dans ces circonstances. C'est pas vrai? Ça fait partie des bonnes manières. On ne dit pas du mal des morts. Oui, mais cette femme. Cette Lizzie. Même ton nouveau copain Robert dit du bien d'elle. Dis, tu vois quoi là-haut? Un éclairage à détection de mouvement. Oui. Il fonctionne pas. Bon. Lizzie ouvre la porte et elle sort sur le perron. Il pouvait pas la voir. Et si le tueur pensait que c'était quelqu'un d'autre? Appelle Kenny. Il faut qu'on contacte les deux filles qui étaient avec Lizzie cette nuit-là. Il y a Maisie, c'est ça? Maisie Jones et Tina Robson. Oui, l'une d'elles est peut-être la cible. L'assassin a déjà tué une fois, il peut recommencer. Et Robert Doran? Oh, on change rien, on continue à le surveiller. Allô? Vous pouvez nous attendre dans un endroit où il y a du monde? Non, non, on vient vous chercher.
Oui, il y a un pub qui est pas loin, le Shipin. Je peux peut-être y aller? Oui, je le connais. Attendez-moi à l'intérieur. Ouais. D'accord, super. Merci beaucoup. Tina est chez elle, un agent est avec elle. Et l'autre fille, Maisie? Kenny va la retrouver dans un pub. Bien. Ouais. C'est bien. Censé être là-bas. Lizzie, Maisie, Tina. Le cottage était un cadeau. Il avait été réservé au nom de ce couple. Ouais, les Franks, les architectes. Oui. Vous voulez que je les appelle? Je veux que tu y ailles tout de suite, oui. Qu'elle a été percutée à pleine vitesse. Le véhicule arrive par cette route à pleine vitesse, monte sur le trottoir à pleine vitesse, la percute à pleine vitesse. Elle disparaît. Un chauffeur dans une voiture volée? Voyons, regarde la route. Aucune trace de freinage, il a pas ralenti. Tous les lampadaires fonctionnaient. Le conducteur pouvait voir qu'il fonçait droit sur elle. Même un chauffard aurait eu le réflexe de freiner au moins juste avant. D'accord, donc c'est pas un chauffard. Je pense que c'est elle qui était la cible. Ça peut pas être Robert Doran. Il a joué au billard toute la nuit. Les collègues l'ont pas lâché une seule minute. D'accord. Mais qui, alors? Le mari? Andrew Franks, ce serait quoi le mobile? Kenny a dit qu'il était anéanti quand il lui a parlé. Il a failli perdre sa femme il y a 10 mois dans un accident de voiture. Et aujourd'hui, il l'a vraiment perdu. De toute façon, il a fait une déposition et son alibi est solide. Il est toujours avec Andrew Franks, Kenny? Ouais, je crois. Pourquoi? Madame. Compris. Monsieur Franks, nous aurions besoin de vérifier quelque chose. C'est à propos de l'accident dont a été victime votre femme l'année dernière. Quelqu'un a été blessé, à part votre femme? C'était pas la faute de Corinne. L'autre conductrice est sortie de nulle part. C'est ce que le coroner a dit. Maggie Bishop, 43 ans. Il y a 9 mois, elle a grillé une priorité à un croisement et elle est venue percuter la voiture de Corinne Franks. L'enquête a conclu à une mort accidentelle, mais le refus de priorité de Madame Bishop était considéré comme un facteur aggravant majeur. Non mais regarde ça. C'est aussi mince que du papier à cigarette, mais ils nous prennent pour qui? Franchement, ils osent appeler ça une tranche de jambon? Ils devraient être condamnés. Dans l'article, ils disent que le mari allait contester les conclusions de l'enquête. J'allais y venir. Depuis le début de l'enquête sur la mort de sa femme, il est allé frapper à toutes les portes. Y compris celle du coroner, pour essayer de modifier les conclusions préliminaires. Pourquoi? Il s'est passé quoi d'après lui? C'est ce que je vais lui demander.
Inspectrice Severa Stanhope de la police du Northumberland, pouvons-nous entrer, s'il vous plaît? Merci. S'il porte plainte pour intrusion, il faudra qu'il le prouve. Pardon? C'est Gorry que le comté a engagé pour assurer leur sécurité. Ceux qui me mettent à la porte de tous les bureaux à chaque fois que je pose une question à laquelle personne ne veut répondre. J'imagine que c'est eux qui vous ont envoyé. Personne ne m'envoie, mon lapin. L'avantage du grade, personne n'oserait. Non, nous voulions juste parler de l'accident. Parler? Oui, savoir ce qui s'est passé. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à ma femme? Voilà. Je suis désolée, mais je vois pas très bien. Ah, c'est ça le problème. C'était pareil pour Maggie. C'est l'arrivée au croisement où elle est morte. Et voilà le même croisement après que le comté a enfin décidé de couper les arbres. Vous voyez? Regardez. Regardez et dites-moi que l'accident était la faute de Maggie. Mais le coroner a conclu à une mort accidentelle. Il a dit mort accidentelle provoquée par une faute commise par ma femme. Et l'autre conductrice? Comment ça? Eh bien, le coroner n'a pas jugé qu'elle avait commis de faute. Et vous? Papa, tu me donnes un coup de main, s'il te plaît? La police. Pour l'accident. Je t'appelle quand le thé est prêt. Mon épouse était femme de ménage à l'hôpital. Corinne Franks est architecte. Bourgeoisie assez aisée, comme les avocats du comté, comme les juges, comme le coroner. Si Corinne Franks avait commis une faute, je doute qu'on le sache un jour. Les bourgeois se serrent les coudes et se protègent les uns les autres. Monsieur Bishop, où étiez-vous hier soir entre 21h et 23h? Je suis sorti. Pourquoi? Vous êtes sorti où? Avec des amis? Un verre après le boulot? Je suis sorti me balader. Ça m'aide à m'endormir. En fait, ce que mon sergent vous demande, c'est... est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ce que vous avez fait hier soir? Un alibi? Vous me demandez si j'ai un alibi? Vous en avez un? Non? Pourquoi? Qui est mort? Corinne Franks. Pas d'alibi. Mais il a sans aucun doute un mobile. Œil pour œil. Ce serait plus rapide de lister toutes les personnes à qui il en veut pas. Ouais, mais il n'y a aucune preuve irréfutable qu'il rattache à la mort de Corinne Franks ou à celle de Lizzie Faulkner. Peut-être qu'il y a quelque chose dans tous ces documents qu'il a amassés. Bon. Je suis sérieux. Je les ai regardés. Il garde tout. Toutes les réunions, toutes les conversations qu'il a eues, tous les rapports médicaux. J'imagine même pas ce que doit vivre son fils. Il vient de perdre un de ses parents. Mais il voit l'autre s'enfoncer dans la névrose obsessionnelle. Oui, mais regarde le bon côté des choses. On a un nouveau suspect, non? Maintenant, tu seras plus obligé de voir Robert Doran. Quelques bières, vous lancez une petite phrase, et vous croyez que je vais tout déballer comme ça. Quoi? Je me demande bien comment vous arrivez à faire parler les gens. Je dis juste que tu dois pas garder ça pour toi. Tu devrais en parler, ça peut aider. Parce que c'est ce que vous feriez, peut-être. Partagez. Je pourrais le faire. Je ferais mieux d'y aller. Merci pour le verre. Ce que nous n'avons toujours pas, c'est un élément qui peut lier Justin Bishop à Corinne Franks. Et puisque nous n'avons pas de motif sérieux pour avoir le droit de perquisitionner chez lui, nous allons prendre les choses dans l'autre sens. Donc, Joe, tu fouilles l'ordinateur de Corinne Franks, ses emails, ses fichiers, n'importe quoi qui pourrait avoir été envoyé par Bishop ou qu'il mentionnerait. Kenny? Pas les relevés de téléphone. Les relevés de son téléphone portable. Gary, Fran, les téléphones fixes. Il y a deux lignes, privées et professionnelles. D'accord, madame. Compris. Si quelqu'un me cherche, je suis avec Andrew Franks. Appelez-moi dès que vous trouvez quelque chose. Je sais qu'elle est morte. Je le sais. Mais j'arrive pas à l'intégrer dans la réalité. Je continue à me tourner vers elle pour lui parler.
lui dire ce qui s'est passé. Monsieur Franks, est-ce que vous voyez une raison qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir faire du mal à votre femme? Je l'ai déjà dit à votre collègue. Non. Aucune. Pourtant, quand Lizzie Faulkner a été tuée, elle se trouvait là où Corinne aurait dû être. On l'a même pas réservé, ce cottage. On l'a gagné à une tombola. C'était un week-end au Champagne. C'était pas vraiment des vacances, puisque c'est vous qui avez conçu cette résidence. C'est pour ça que vous l'avez donnée à Lizzie? Moi, je voulais le garder. L'accident a été terrible pour Corinne. Peut-être même pire que je le croyais. Et Lizzie l'a aidé à se sentir mieux. Après l'accident, est-ce que Corinne a eu des contacts avec la famille de Maggie Bishop? Oui, elle les a vus. Je trouvais que c'était une mauvaise idée, mais elle pensait qu'elle devait le faire, que ça pouvait aider. Ça a été le cas? Je crois que c'était difficile pour tout le monde. Elle avait un fils. C'était pas un enfant, mais quand même. Corinne trouvait ça dur qu'il ait perdu sa mère. Elle les a rencontrés une seule fois? Je vous l'ai dit, c'était difficile pour tout le monde. Oui, mais est-ce qu'elle vous l'aurait dit? Elle ne vous l'aurait pas caché de peur de vous inquiéter. Corinne et moi, on a été des amis bien avant qu'on soit un couple. On se parlait. On a une grande complicité. On avait. Ouais, d'accord. Rappelez-moi dès que vous avez des nouvelles. Joe, regarde ça. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez rencontré Corinne Franks? Vous ne l'avez pas demandé. Elle voulait simplement soulager sa conscience en rendant visite aux pauvres et aux affligés. Vous avez eu d'autres contacts avec elle, après cette visite? Pourquoi j'en aurais eu? Monsieur Bishop, je vous rappelle qu'il s'agit d'une enquête sur un meurtre. Si je dois passer mon temps à répéter la même chose, nous finirons cette petite conversation au poste. Non, je n'ai plus jamais eu de contact avec elle. Papa, je peux me servir de l'ordi? Non, j'ai pas terminé les tracts de la campagne, t'attends. Je l'ai jamais rencontrée après, je n'ai plus parlé avec elle et je n'ai plus jamais revu cette femme. Madame, on a quelque chose. On a une série récurrente sur des périodes de 7 à 10 jours. Un appel entrant d'un numéro qui n'était jamais apparu avant. Corinne a répondu. L'appel a duré environ une minute. Ensuite, quelques jours plus tard, le même numéro appelle parfois plusieurs fois par jour. Elle n'a plus jamais répondu. Dès que Corinne a su qui appelait, elle n'a plus voulu répondre. Mais, un peu plus tard, un nouveau numéro apparaît. Elle ne le connaissait pas. Elle a répondu. Et le même manège a recommencé. Ce petit malin a changé de téléphone portable. Où il les achète? Tous les appels entrants proviennent de téléphones portables prépayés. Ils ont été activés une semaine et n'ont plus été utilisés. Je n'ai pas réussi à les retrouver tous, mais ceux que j'ai repérés ont été sans exception achetés dans un rayon de 15 km autour du domicile de Bishop. Tous ces appels remontent à combien de temps? En fait, ça a commencé au moment de l'accident qui a tué Maggie Bishop. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à la mort de Corinne Franks. Combien de fois avez-vous rencontré Corinne Franks? Une seule fois. Combien de fois lui avez-vous parlé? Une seule fois. La même fois. L'avez-vous contacté au téléphone après? Non. Vous avez essayé? Non. Vous avez une voiture, monsieur Bishop? J'en avais une. On me l'a volée. C'était quand? Il y a 3 jours. Je suis passé prendre Sam pour son cours de conduite, elle n'était plus là. Vous avez signalé le vol? Non, j'ai tellement de fric, je m'en fiche. J'aurais même pas remarqué qu'elle était plus là. Bien sûr que je l'ai signalé. Tu veux bien aller vérifier? Je vous le demande parce que voilà. Une voiture a fait ça. Corinne Franks a heurté le capot, puis le pare-brise, et enfin le bitume. Et vous n'avez pas d'alibi. Vous êtes sorti hier soir, marcher tout seul. Monsieur Bishop. Je voulais pas de mal à cette femme. Joe a vérifié que Bishop avait bien signalé le vol de sa voiture.
On l'a retrouvée brûlée ce matin. La scientifique essaie de récupérer ce qu'ils peuvent, mais ils nous ont pas laissé beaucoup d'espoir. Ce qui nous ramène à la case départ. Il faut continuer à chercher. Chercher un élément qui prouverait que Justin Bishop a été récemment en contact avec Corinne Franks et un autre qui le lierait au meurtre de Lizzie Faulkner. On garde toujours l'hypothèse d'une erreur d'identité? Ah ouais. Mais seulement voilà. Nous avons supposé que s'il y a eu des contacts entre Corinne Franks et Justin Bishop, celui-ci avait probablement dû manifester une certaine hostilité. Mais il ne faut pas oublier que ces deux-là sont liés par un événement traumatique. Et ce scénario de départ peut très bien évoluer différemment. Vous êtes sérieuse? Mm-hmm. Corinne Franks était une belle femme. Justin Bishop n'est qu'un pauvre type. Et alors, toi, Kenny, t'as été marié 2 fois. Ce qui prouve bien que tout est possible. Tout ce que je vous demande, c'est de garder l'esprit ouvert. Je veux pas qu'on loupe un élément simplement parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on attend. Joe, avec moi. On va où? Voir Andrew Franks. S'il vous plaît, me dites pas qu'on va lui parler de ça. Sa femme avec Justin Bishop. Non. Andrew Franks m'a dit que l'accident avait été une épreuve terrible pour Corinne. Et même pire qu'il le croyait. Et s'il commençait à sentir que peut-être... Il s'était passé plus que ce qu'il pensait? Ouais. Comme quoi? Exactement, comme quoi? Ma femme est morte? Et vous êtes là en train d'insinuer que... Je ne suis pas en train d'insinuer quoi que ce soit, monsieur Franks. Je veux juste que vous nous aidiez à trouver celui qui a fait ça. En vous demandant s'il est possible... Que votre femme ait pu éventuellement vous cacher quelque chose. Si elle avait été menacée, par exemple. Si elle avait été menacée, elle m'en aurait parlé. Je ne sais pas dans quel monde pourri vous vivez, mais c'est pas le mien. Et c'était pas celui de Corinne. Maintenant, j'aimerais que vous me laissiez. Vous avez raison. Il a peur de découvrir quelque chose qu'il ne sait pas. Les tombolas de charité, ils ont comment ces prix? En général, ce sont des dons. Décidé de faire un don à cette maison de retraite. Ma mère a passé ses derniers mois à Clara Woods. Depuis, j'ai décidé d'organiser la tombola. Oh, c'est très gentil. Pas vraiment. Il s'agit simplement de donner un prix en culpabilisant les autres hommes d'affaires du coin et les pousser à en faire autant. Mais le vôtre est plus prestigieux, n'est-ce pas? Un week-end au champagne. Sauf l'année où quelqu'un a donné un chihuahua. Ouh. Oh, je ne sais pas si je recommencerai. Ça paraît un peu déplacé après ce qui est arrivé. Comment est annoncée la liste des gagnants? Je veux dire, qui pouvait savoir que Corinne et Andrew avaient gagné? Tous ceux que ça intéresse. Sur le site de la maison de retraite, dans les journaux du coin. C'est une façon de faire de la publicité et un moyen de collecter des fonds. Que pensiez-vous de Corinne et Andrew? En tant que couple. Il ne pouvait pas arriver pire à des gens aussi charmants. C'est le genre de relation que vous regardez en vous disant que c'est un exemple à suivre. Aucun mot blessant, pas de ressentiment, pas de petite mesquinerie. Pas de secret? Non, ce n'était pas leur style. Pauvre vieux, je le plains. Je ne sais pas comment il va s'en sortir sans elle. Votre patronne aime son lait chaud ou froid? Ah, tant qu'il sort pas de sa brique, tourner au cahier, ça lui va. Les filles, si vous sortez jouer 10 minutes dehors, vous pourrez choisir une glace dans le congélateur. Oui. On se dépêche. Vous êtes restées enfermées toute la matinée. Allez. Et tiens. Allez. Tu viens? Elle est en train de lui poser des questions sur Corinne et Andrew. Je comprends, vous ne pouvez rien dire. Mes filles la connaissaient. On ne leur a pas dit ce qui lui était arrivé.
C'était une amie? Non, pas vraiment. Mon travail, c'est les enfants et la maison. Elle, elle avait une carrière. Mais on discutait toutes les deux quelquefois. Enfin, avant l'accident. Après, elle est devenue... plus sombre. Quand je l'ai appris, j'ai tout de suite pensé qu'elle l'avait fait exprès. Je veux dire, volontairement. Comme si elle s'était jetée sous un train. Et quand vous dites plus sombre? Oh, avant l'accident, elle riait tout le temps. Elle taquinait Tim en disant qu'il transformait la campagne en un parc à thème pour des gens qui aiment la vue, mais pas les odeurs. Et cet endroit, le grand projet de mon mari. Corinne l'appelait les Tours Hopkins. Mais elle acceptait le travail. Je crois qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle et Andrew avaient du mal à s'en sortir avant de rencontrer Tim. Est-ce qu'elle aurait pu vouloir se suicider? J'ai bien peur que ce soit une enquête sur un meurtre. Quelle sorte de monde avons-nous créé pour nos enfants? Il est évident que Corinne a beaucoup changé après l'accident. En tout cas, assez pour que Madame Hopkins pense qu'elle aurait pu se jeter sous cette voiture. Et tu crois que ce serait de la culpabilité? Parce qu'elle avait une liaison avec Justin Bishop? Peut-être. Ou peut-être qu'on en revient à notre première idée, il la harcelait. Quoi qu'il en soit, Corinne est sortie de cet accident complètement perturbée. Madame, on a les relevés bancaires de Corinne Franks. Madame, vous devriez jeter un œil. Oui, un ordinateur portable, un baladeur, des enceintes. C'était un vrai panier percé. Elle a pu les acheter pour elle. Des slips boxers, hors de prix, un après-rasage de luxe. Mais il y a encore mieux. Des retraits en liquide. Ils ont tous été faits dans la rue où vit Justin Bishop. Oui, et aussi des petits achats avec une carte prépayée, sans code. Dans un café situé à 10 minutes de marche de sa maison. Très bien. Kenny, tu vas dans ce café. Je veux qu'il les identifie formellement tous les deux. Compris, j'y vais. On va réinterroger Bishop. Vous m'arrêtez ou quoi? Pas pour le moment. Mais je dois vous informer que cet interrogatoire sera enregistré et qu'une arrestation peut suivre. Quelqu'un doit dire à mon fils où je suis. Oh. Un jour, sa mère est partie, elle n'est jamais revenue. Il va s'inquiéter. Et s'il vous plaît, envoyez pas un agent en uniforme, sinon il va croire que je suis mort. Ah, monsieur Bishop, au cours du précédent interrogatoire, vous m'avez dit que vous n'aviez plus eu de contact avec Corinne Franks après votre première rencontre. Maintenez-vous cette affirmation? Oui. Cadeaux? Pourquoi j'aurais accepté des cadeaux de Corinne Franks? Joe. Le café qui est près de la maison de Justin Bishop. À quelle heure de la journée avaient lieu les transactions? Toujours à peu près au même moment. 15h30, 16h. Après l'école. Allô? Madame, Kenny, il appelle du café. Joe, Corinne Franks l'a rencontré après l'école. C'est pas le père, c'est le fils. Sam! Il se sauve vers Renfrew Street. Arrête-toi, Sam! Thank you.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors comme ça, tu voyais Corinne une ou deux fois par semaine après l'école. Et alors? Ton père était au courant. D'autres questions? Oh. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Qui t'a acheté ça? Quoi? Cette tablette apparaît sur ses relevés bancaires, mon petit. Corinne est venue à la maison. Papa a tout de suite pensé. Elle vient fouiner, nous espionner. Il n'était pas prêt. Et toi, t'en pensais quoi? T'étais prêt? Ah ouais, c'était le bon plan, cette fille. C'est Corinne qui t'a acheté toutes ces choses? Perso, je suis pas trop fan de tous ces trucs. Les marques, ça me branche pas. S'il y a quelque chose qui vous plaît, servez-vous. Pourquoi les accepter si tu les aimais pas? Oh, c'est toi qui lui as demandé de les acheter, c'est ça? Ça s'appelle la thérapie par le shopping. Ça l'aidait à se sentir mieux. C'est pas ça qui a ramené ta mère, n'est-ce pas? Tout ça. Et après, quoi? Après lui avoir vidé les poches. Et c'est passé quoi? À la fin, t'en as eu marre et tu t'es retourné contre elle? La femme qui avait tué ta mère. Non. T'étais où lundi soir? Je vous l'ai dit, je suis sorti. Avec la voiture? J'ai entendu dire que tu t'éclatais bien avec tes cours de conduite. Ça me saoule. Et dans la nuit de samedi à dimanche, tôt le matin? J'étais dans mon lit. Quelqu'un peut le confirmer? Vous croyez quoi? Allez, viens, on va faire un tour. Tu bouges? J'ai lu le rapport du coroner sur l'accident dont a été victime ta maman. Elle allait où comme ça en voiture? Elle était pressée. Elle était en retard. Épouse et mère de famille, c'est un travail à temps complet. Ou alors elle venait te chercher à l'école, c'est ça? Tu pouvais pas prendre le bus? Je l'avais loupé. Tu pouvais attendre le suivant. Oh. Oui, il était 18h et on était fin octobre. Elle voulait pas que tu reviennes à la maison la nuit. Elle me surprotégeait. Pourquoi t'as manqué le bus? J'étais dans la salle informatique. Du coup, t'as oublié de regarder ta montre? Oui. La troisième fois cette semaine-là. Ta pauvre maman. Alors, qui a appelé qui? Je lui ai envoyé un texto. Elle t'a répondu? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et j'arrive, je viens te chercher un de ces jours, faudrait bien que tu te débrouilles tout seul. Tu lui as répondu? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai hâte. Alors, peut-être que si ta mère n'avait pas été aussi furieuse contre toi, peut-être
Peut-être qu'elle n'aurait pas loupé ce panneau. Hmm? Tu penses que c'est ta faute? Oui, une idée comme ça. Une fois que ça te rentre dans la tête, personne ne peut rien y faire. Mais tu sais, mon petit, peut-être que ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Oui, c'est ce qu'elle disait. Qui, Corinne? Un père qui n'est pas là, parti en croisade contre des panneaux de signalisation qui ne sont pas visibles. Débarque Corinne, une femme qui n'a pas d'enfant. Et qui, même après ce que Sam lui a fait, est toujours là pour l'écouter. Et alors? Alors, je me dis que Sam n'est peut-être pas coupable, que finalement, ce n'est qu'un pauvre gamin qui a perdu sa mère deux fois. Ou? Ou quoi? Un pauvre gamin, il vient d'avoir 18 ans, quand même. Hmm? Il a avoué être l'auteur de tous ces appels à Corinne? Non, pas encore. Non. Alors peut-être qu'il était amoureux d'elle? Ou alors peut-être que c'est elle qui était amoureuse de lui. Madame, Andrew Frank se trouve chez Hopkins. Je vous retrouve là-bas. Je vous demande simplement si vous saviez que votre femme était amie avec Sam Bishop. Vous insinuez quoi maintenant? Qu'elle couchait avec? Quel âge il a? 16 ans? Je n'ai pas dit ça, mais apparemment c'était une amitié intense. Intense? Arrêtez, on dirait un euphémisme utilisé par les tabloïds. Je vais vous dire. C'était ma femme. Ma femme. On était solides. On partageait tout. L'amour, le travail, on était mariés, rien nous séparait. Très bien, monsieur Franks. Nous voulions juste vérifier si oui ou non vous le saviez. Non, je ne le savais pas parce qu'il n'y avait rien à savoir. Elle avait surmonté l'accident. Ce n'est pas ce que vous disiez ce matin. Eh bien, c'est ce que je dis maintenant. Elle se promenait, elle souriait, elle avait repris une vie normale. Oh non, c'est pas possible. On voulait qu'il passe une soirée tranquille. On essayait d'oublier ce qui s'est passé. Andrew Franks. C'est quoi déjà son alibi? Vous êtes justement en train de le saluer. Un ami dans le besoin. Tu veux bien lire ça? C'est de qui? Robert Doran. Tu te souviens de lui? Ah. Quand est-ce qu'il l'a écrite? Oh, ça fait des années. Il était encore à la prison à Clinton à cette époque-là. C'est la vérité, ce qu'il raconte? D'après toi? Ouais. Je crois qu'il doit avoir raison. Allez, donne. Et non, non, attends. Tu l'as montré à madame? Qui verra? Non. Non, eh bien, je suis très honorée. C'est vrai que là où je travaillais, quand quelqu'un faisait une erreur, ça voulait dire qu'il fallait recommander des agrafes ou des cartouches d'encre. Et tout le monde était très énervé ce jour-là, mais... Dans ton travail, si quelque chose tourne mal, alors... Est-ce que je te déçois? Mais non, pas du tout, idiot. Le fait que tu tiennes à cette lettre, c'est aussi pour ça que je tiens à toi. Ça fait de toi ce que tu es. Je parie que t'en caches d'autres avec tes chaussettes. J'ai la chance de t'avoir. Mais lui, il a quoi? Écoute, t'as pas à t'en vouloir. T'es pas responsable. Viens là. Il faut que j'y aille. On va lui parler. Merci, Monty. Je vous en prie. J'ai droit à quoi? À la glace pour le gamin ou à l'expresso pour l'adulte? Aux deux, mon grand. J'ai vu ça dans un film. Ça s'appelle un affogato.
Je me suis dit, si je dépense assez d'argent pour des choses qu'il n'aime pas, peut-être qu'il voudra bien me parler un petit peu. C'est pas mauvais, ce truc. Alors, toi et Corinne? Je vous l'ai déjà dit. On était des amis un peu spéciaux. Ça, je sais, mais c'est pas ça que je te demande. Tu te souviens, elle t'a dit une phrase du genre « Si tu penses avoir fait quelque chose qui n'est pas bien, ce qui compte, c'est ce que tu fais après. » Ça s'appelle avoir des remords. Elle aussi, c'est ce qu'elle ressentait, des remords, pour quelque chose qu'elle avait fait. Oh, vous êtes devenus des amis. Sam, s'il te plaît, elle est morte, tu peux pas m'aider. Je fais ce que je peux. Est-ce que par hasard tu gardes un secret? Son secret? Peut-être bien. Bon, alors, revenons à l'accident de voiture. Elle ne roulait pas vite. Ta mère est sortie de nulle part. Comment ça peut être la faute de Corinne? C'était pas sa faute. Mais elle pensait être dans son tort. Elle était mal. Elle avait quelque chose en tête qui l'a distraite. Elle a été distraite? Elle n'était pas au téléphone, on l'aurait vu sur les relevés de son portable. Corinne roulait tranquillement sur cette route. Elle était toute seule. Ta mère a déboulé... Attendez. Corinne n'était pas toute seule. Il y avait quelqu'un avec elle? Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture avec elle? Oui. Corinne n'était pas seule dans la voiture quand elle a eu l'accident. Elle a menti à la police, elle a menti au coroner. La clé du meurtre de Lizzie et de celui de Corinne se trouve dans cet accident de voiture et je veux savoir qui était avec elle à ce moment-là. D'accord, je m'en occupe. Joe est avec toi? Non, je l'ai pas vu depuis ce matin. Alors si par hasard tu le vois, dis-lui d'allumer son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux entrer ? Je l'ai gardé. Ouais, c'est quoi? Votre lettre. C'est moi qui ai écrit ça? Ouais. Je disais quoi? Que votre femme venait de passer vous voir en prison. Et qu'elle avait décidé de partir. Avec votre fils. Ouais. Ouais. Il est un peu plus grand maintenant, c'est sûr. Ce type que j'ai cogné. On sortait du pub, il attendait dans la rue, il a menacé ma femme. C'est lui qui a frappé le premier, je me suis défendu. On a cherché des témoins. Combien de temps? 30 secondes? Le pub était plein de monde. Mais personne n'est venu nous parler. Non, 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 non. Vous étiez tellement pressé, fallait en finir le plus vite possible. Et au tribunal, à la lecture du verdict, vous savez ce que vous avez fait? Hein? Vous avez regardé votre copain, vous lui avez tapé dans la main. Hé, hey, bravo, mon pote! Hé? Hey. Bravo, mon pote! Allez, mon pote! J'étais très jeune. Ouais, moi aussi.
Eh, vous l'avez attrapé, votre tueur? Vous avez de la chance. Elle aurait dû partir à la casse depuis plusieurs mois. On l'a gardée à cause du mari de la victime qui conteste les conclusions du coroner. C'est gentil d'être venu. Toutes les preuves sont restées coincées dans les rouages du système. Vous avez devant vous la pièce à conviction A. La voiture de Corinne. On prévient la scientifique, il nous faut des relevés d'empreintes et de fibres. Vous voulez pas voir les autres affaires? Madame Franks devait venir les chercher. On lui envoyait des courriers de rappel. Parfois, les gens veulent oublier. Ah, très bien. On l'a trouvé où? Dans le coffre de la voiture. D'accord. Merci, Derek. Nécessaire de voyage. Un week-end coquin. Alors pourquoi l'ours en peluche? Et pourquoi le passeport? Je pense qu'elle voulait quitter son mari. Je pense qu'elle était en train de fuir. Allô? D'accord. C'est pour toi. Allô? Bon, très bien. Une demi-heure? D'accord. C'est Robert Doran. J'avais deviné. Il veut nous parler. D'accord. Vous entendez? Un sifflement. Vous l'entendez? Bon. C'est un défaut du turbocompresseur. C'est pas très grave. On peut le réparer. Voilà. J'étais en train de bosser. Et ce bruit m'a fait penser à la voiture dans le chemin. Celle que vous pensez avoir entendue dans la nuit où Lizzie a été tuée? Elle a le même défaut que celle-là. Le même sifflement qui vient du turbo. Vous croyez que c'est celle-là? Non, non. Cette voiture est restée ici tout le week-end. Mais... j'ai pensé que ça pourrait vous aider. C'est tout. Merci. Ouais, c'est pour Bess. Bon, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire. Je veux un recensement de toutes les interventions techniques sur les véhicules ayant des problèmes de turbocompresseur. C'est compris? Vous pouvez commencer avec les garages autour de Tynemouth et ensuite vous élargissez les recherches. On se dépêche et on a des résultats. On s'y met. Oui.
Vous n'avez pas le droit. Vous pouvez pas l'emmener comme ça sans me dire quand il reviendra. Ce n'est pas une arrestation. Il n'y a aucune charge contre moi. Ils vont juste vérifier deux, trois choses pour m'écarter de leur enquête. Attention à la peinture, s'il vous plaît. Tout ça est complètement ridicule. Madame Hopkins, s'il vous plaît. Hé, rentre à la maison. Excusez-moi. Écoute, Kirsty, calme-toi. Tu vas rentrer à la maison et téléphoner à l'avocat. Tu n'as pas à t'inquiéter. Corinne Franks, on a fait sortir sa voiture de nos hangars, celle qui a été accidentée. Elle aurait dû partir à la casse, mais il arrive parfois que nous ayons de la chance. Vos empreintes sont sur le tableau de bord. Ce n'est pas surprenant. Il est arrivé qu'elle me ramène plusieurs fois. Sur le tableau de bord, les sièges, les vitres, un peu partout. Et il n'y avait pas que vos empreintes. Ils ont aussi trouvé des traces de matériel génétique, c'est leur expression. Les scientifiques sont des gens délicats. Mais moi, j'appelle un chat, je suis comme ça. Alors ma question sera simple, avez-vous eu des relations sexuelles avec Corinne Franks? Je ne l'ai pas tuée. C'est pas ce que je vous ai demandé. Monsieur Hopkins, nous pouvons attendre que la scientifique nous confirme que ce qu'ils ont trouvé correspond à votre ADN, ou vous pouvez vous éviter de... Oui, c'est vrai, nous avons une. On se voyait, en effet. Vous avez eu une aventure. Dit comme ça, ça fait sordide et sans lendemain. Et c'est quoi, s'envoyer en l'air dans une voiture avec quelqu'un d'autre que son épouse? De l'amour. Nous étions amoureux. Andrew le sait? Et votre femme? Kirsty ne vit que pour les enfants. Alors Corinne et vous avez décidé de vous enfuir ensemble. Elle avait bien rangé sa petite valise dans le coffre. Quelques vêtements, sa brosse à dents, son passeport. Vous êtes partis et tout à coup... Wow! Le monde extérieur vient percuter à pleine vitesse le vôtre et à cet instant tout change. Vous reconnaissez ce numéro de téléphone de différents portables. Elle n'aurait pas répondu si elle avait reconnu le mien. Qu'est-il arrivé à votre amour? Pendant l'accident, Corinne a eu une révélation. C'est ce qu'elle a dit. Si elle avait dû mourir, je n'étais pas l'homme qu'elle voulait avoir à ses côtés. Je n'étais pas l'homme avec qui elle voulait mourir. Donc, ensuite, elle est revenue vers son mari. Et vous l'avez harcelée au téléphone. Quand vous avez vu que ça ne marchait pas, oh, la tombola! Vous avez truqué la tombola pour qu'elle et Andrew gagnent le premier prix, pour qu'elle retourne là-bas. Nous avons fait l'amour dans chaque pièce de ce cottage. Si en retournant là-bas, elle ne retrouvait pas la raison... Un coup de fusil dans la poitrine le ferait. Je n'ai pas tué cette fille. Et je n'ai pas tué Corinne. Pourtant, nous avons un amant désespéré, avec un mobile solide. Et comme la scientifique vient à cet instant de le confirmer, la voiture... qui a tué Corinne Franks. Comment ça? Vous dites que la scientifique vient de confirmer que c'était ma voiture? Mais enfin, c'est impossible! Il y a des traces du sang de Corinne Franks sur le pare-choc avant et du tissu cérébral sur le pare-brise. Où étiez-vous le soir où elle a été tuée? J'étais avec son mari, j'étais avec Andrew. Et quand Lizzie Faulkner a été tuée? J'étais en voyage pour affaires.
Et votre femme? Monsieur Hopkins, où était-elle? Elle ne pouvait pas savoir pour Corinne. Les enfants, c'est tout ce qu'elle voit, les enfants. Venez. On va où? On va jouer à un jeu ensemble. Oui ou non? Est-ce que votre femme avait accès à un fusil de chasse? Son père avait un vieux fusil auquel il tenait. Mais il le rangeait où? Il est dans un placard sous les escaliers. Il est fermé à clé. Qui a la clé? Nous l'avons tous les deux. Joe! Vous croyez qu'on attendait? On attend. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil. Tu restes dans la voiture. Kirsty? Les enfants sont avec vous, ma belle? Kirsty? Kirsty? Décroche. Réponds, ma petite. Kirsty, ma belle. On veut simplement savoir si tout va bien. En fait, non, ça va pas. Vera! Qu'est-ce que cet homme fait là? De quel homme parlez-vous? Vera! Madame. Descendez, ma jolie. Non, on ne descendra pas. On ne quittera pas cette maison. Pensez à Tim et à la peine que vous allez lui faire. Oh, cet homme est un excellent comédien. Il se fiche complètement de ce qui peut nous arriver à toutes les trois. C'est pas vrai. Maman... Chut, tout va bien. Kirsty, il y a une question que je me pose. Comment avez-vous découvert pour votre mari et... Corinne. Je suis tombée sur tous les téléphones qu'il avait. Il n'appelait qu'un seul numéro avec. Dites à cet homme de ne pas bouger. Joe. Personne ne veut vous faire de mal, d'accord? Si,
Les voilà qui arrivent. Arrêtez-vous, sirène. Intervention pour l'instant. Une femme désespérée avec ses deux filles. D'accord. Vous voyez bien, il est trop tard maintenant. Regardez, c'est terminé. Il est entré dans la maison. Écoutez-moi, ma belle. Vous êtes une mère formidable pour vos deux petites filles. Mais vous comprenez pas, c'est justement pour ça. Si je suis plus là, qui va s'occuper d'elles? Comment elles vont s'en sortir? On s'occupera d'elles, vous en faites pas. Non, c'est faux. C'est sur moi que mes deux filles comptent. Et ça a toujours été comme ça, à la minute où elles sont venues au monde. Et si je pars? Enfin, vous voyez, vos enfants ont un père. Il vous a peut-être négligé un moment, mais elle compte beaucoup pour lui. Plus qu'elle? Plus que tout. Je le crois pas, non. Il sera là pour vos filles. Et un jour, quand ce sera fini, dans quelques années, vous serez là aussi. Maman, il y a un monsieur. Je vous en prie, donnez-leur une chance. C'est bon, je te tiens. Madame, tout va bien, j'ai les enfants. Je vous ai appelé à l'instant. Vous avez répondu au téléphone. C'est ton taxi, mon petit. Joe.
Joe, réveille-toi. Le taxi est là. Dépêche-toi, le compteur tourne. Vous avez fumé ? Ah non, sois pas stupide. Ouais, bien sûr. Oh. Bon, à demain. Bonne nuit, Monty. Bonne nuit.